Allô les bubble fans. Coucou les bubble fans. Hello Athéna, coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, alors j'espère que tout le monde va bien aussi derrière son écran. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les filles? Alors, 24 heures manger bleu. Ouais, on va manger bleu pendant 24 heures. Manger bleu pendant 24 heures. Coucou à tous. Ah, ça c'est un vrai défi, un vrai challenge. Ah oui, ça va pas être facile hein. Alors, comment tu vas faire? C'est Calice qui va la préparer? Oui, déjà il y a un peu de colorant bleu. Oh, tu vas tricher! Mais pas toujours. Non, pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour déjeuner? Pâtes à la carbonara. Donc, on va faire des pâtes bleues, parce que les pâtes, c'est pas bleu. Et on va faire de la crème fraîche bleue. Ah, tu mets le colorant dans la crème fraîche, du coup, les pâtes, tout ça, ça va être bleu. Oui. D'accord. Et je vois que tu as aussi des petites chips. Des chips? Elles sont bleues ou elles sont violettes? Elles sont bleues. Elles sont bleues, bleu et rouge. Voilà. C'est violet. Attention, on va voir déjà la couleur. Parce que des fois, sur le papier, c'est différent. Ah ouais? Oh, ça passe, hein? Ouais, ça passe. C'est hein. Du bleu foncé rouge, quoi. Allez, mais plus ça va aller, plus ça sera bleu dans cette vidéo, vous allez voir. C'est un défi, manger bleu pour 24 heures. Ouais. C'est parti, on va d'abord faire cuire les pâtes. Et il y a légèrement un petit peu de buée sur l'écran. Oula! Oula! Oh bah dis donc, c'est un peu flou hein. Bonjour, je suis pour un témoignage anonyme, j'ai été flouté. Regardez. Oh. Oui bonjour, je m'appelle Robert et voilà, j'aime beaucoup manger des tortues. N'importe quoi, des tortues. Bonjour, je m'appelle Robert, j'ai 43 ans et je suis à la retraite depuis 55 ans. Oui mais là c'est plus flou là. Ah vite. Bon, attends, hop. Voilà, là t'es bien flou. Bonjour, je m'appelle Robert, j'ai 43 ans et je suis à la retraite depuis 55 ans. Par contre, les sucettes, c'est plus de la déco, vous allez voir. Tout à l'heure, il y a des trucs bleus qui sont très sympas. Déjà, la boisson que je vous ai préparée ce midi, elle est bleue. Alors, on va tester le colorant dans la crème fraîche. Est-ce que ça marche? Alors, mets pas trop de gouttes, hein, peut-être une ou deux pour voir déjà pour commencer. C'est pas mal, hein? Alors t'en penses quoi, Calice? C'est pas mal. Et toi, Athéna? C'est pas mal aussi. Oh, c'est bien bleu, ça. Moi, c'est vraiment une chips. C'est des tortillas chips bleues. Allez, les pâtes sont bientôt cuites. La crème fraîche, allez, ça y est, on la met. On va la faire chauffer comme ça. Oh, c'est flou! Comment j'ai bien colorant? Combien de gouttes? Deux gouttes. Une, deux, trois. C'est bon, vas-y, remue bien. On est pas mal là! Un peu plus, je pense. Ok. J'en mets deux pour l'instant. Waouh! Wow. À part bleu et jaune, ça fait un peu vert du coup. Ouais. Ouais, juste deux, ça suffit. Voilà. Voilà. Super. Ah, waouh! Ok, alors regardez, on a rajouté des petits lardons qui à la base ne sont pas bleus, mais ça passe, moi je trouve. Ça passe crème. Crème? Crème bleue. Et maintenant, oh, c'est trop drôle! Des pâtes à la carbonara bleue, quoi. Des pâtes car bleues. Carglass. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller chez Carglass. C'est trop rigolo. Et on est limite vert quand même, hein. Faut pas le dire. Eh ben, c'est magnifique, ça. Mmh. Et regardez la boisson bleue, hein. Vraiment bleue. Calypso. On connaît pas, on va goûter. Les filles. Mmh. On est de travers, non? C'est pas faux. Ah, c'est bien comme ça. Ça y est, je vous ai servi ce truc là. Est-ce que c'est bon ou pas? Moi aussi, j'en ai pris un petit verre. Tiens, à ce manger bleu challenge pendant 24 heures. Ouais. À la vôtre. À la vôtre. À la vôtre. C'est sucré, hein? De la limonade. C'est de la. Ça me fait penser à un granité fondu. C'est vrai? C'est de la limonade. De toute façon, on a du granité fondu, c'est assez sucré. Océan, c'est bleu. À consommer avec modération, hein. Mais bon, c'est bleu, c'est bon. Bon, allez, bon app, et puis on se retrouve. Merci. Pour le dessert. À table, on veut un dessert. On veut... Déjà? Ok. Non. Attends, je chausse mes lunettes. Et c'est parti. Ok. Calice, Athéna, qu'est-ce que vous proposez en dessert? Un yaourt à la myrtille, évidemment, en sachant que la myrtille, c'est bleu, normalement, vous le savez. Sauf que là, ça finit violet. Mais c'est pas très grave. Le fruit est bleu. Mais pour que la surface soit bleue, qu'est-ce qu'on va rajouter? Des Smarties. Des Smarties, mais oui, mais quelle couleur? Bleu. Ah oui, bleu. Donc non, rouge. Mais non, c'est 24 heures manger bleu. Mais oui, mais les Smarties.
patate rouge, ça fait du bleu, tout le monde le sait. Ah bon? Ah, y a pas de bleu encore. T'as pas de chance, t'es là. T'as aucun bleu, t'es là. T'as toujours de la chance d'être plus. Un bleu. Est-ce que tu vas faire mieux que Caïs? On a mis 5. Oh là 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 là. 2. 3. 3, c'est tout? Pas de chance sur celui-là. Ok, tu sais Athéna, t'as le droit d'ouvrir le yaourt pour mettre les Smarties dedans. Oh, c'est tout vert. En plus la myrtille c'est très bon pour la vue et pour les yeux. Voilà. Si vous aimez la myrtille, eh ben, vous pouvez en manger. C'est très très bon pour la santé. Bon bah voilà, comme ça ça apporte une petite touche de bleu. Voilà, c'est tout bleu. Il est magnifique aussi ton petit yaourt bleu. Bon bah c'est ainsi que se termine ce déjeuner. On se retrouve pour le goûter bleu. Miam. Et après on va faire ce rêve bleu. Cette nuit, on fera ce rêve bleu. Mais d'abord il y aura le dîner. Oui, il y a encore plein de choses qui arrivent bleu. Vous savez que le bleu c'est la couleur préférée des Français? Non. D'après les statistiques. Si, si, c'est vrai. La couleur préférée des Français, c'est le bleu. Attention, ça tourne. 3, 2, 1. Allô, d'abord, Alpha. Non. Mais non, c'est le goûter, Athéna. Re-coucou, c'est 24 les bleus Alphan, alors. On mange en bleu. Enfin, on mange bleu plutôt. Re-coucou, les bubble fans. Et là, les filles, regardez pour la boisson. Mais c'est un Fanta. Un myrtille. Baie. Voilà, style myrtille, justement, ou framboise. On a faim, on a faim. Donc, je vous propose de l'ouvrir. Et normalement, c'est bleu à l'intérieur. Si c'est pas bleu, on ne boit pas. Exactement. Alors, on a intérêt à que ça soit bleu. Bravo, Athéna. C'est bleu. Ah. Regarde. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien bleu. Je te sers. Je te sers, madame. Ouais, vas-y. Voilà. Donc là, c'est le goûter. Alors, c'est un goûter un peu sucré. C'est vrai, d'habitude, c'est pas ça que vous prenez au goûter. Mais là, pour faire du bleu, on n'a pas forcément le choix. Ouais, il est vraiment bleu-bleu, hein. Ce Fanta, est-ce qu'il est bon? Ouais, trop. Là, je vous ai pris ça. Par contre, vous prenez que le bleu, parce qu'a priori, il y a du rose et du bleu de mémoire hein, dedans. Vous pouvez le sachez. En fait, c'est une petite barbe à papa. Il n'y a pas de placement de produit du tout dans cette vidéo, je précise. Donc voilà, c'est du fluffy stuff, c'est une sorte de barbe à papa en sachet, c'est américain. Voilà, il y a aussi du rose, ouais. Mais il faut prendre que le... Alors sortez le bleu d'abord, essayez de sortir le bleu. Après, je vous ai réservé plein de bonbons, alors vous n'allez pas tout manger là maintenant. Oh. Mais en tout cas, il y a le choix, vous pourrez après manger ça plus tard, dans les jours qui viennent. Il y a, on commence par du double gum, tu te souviens Athéna? Ah ouais. On a mangé il n'y a pas longtemps, la mangue. Ah bah c'est du double gum bleu à la framboise. Je vais le chercher si vous voulez. Non, non, ça ira. Non, parce que c'est que du bleu aujourd'hui. Des 40 barres bleues. Il y a des Airheads bleus à la framboise, évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Elle a mis sa barre bleue. À la base, elle voulait tremper, mais en fait, ça liquide. Regarde, regarde. Je voulais faire ça, et regarde ce qui s'est passé. Alors, attends. Alors. Je voulais faire ça. Et regarde ce qui s'est passé. Je voulais juste le tremper et regarde. Vas-y. Ça disparaît complètement. Ouais. Waouh. Magique. Attends, Athéna, attends. D'abord, je te donne tout et après, tu choisiras parce que tu pourras pas tout manger. Il y a du Laffy Taffy Candy à la framboise. Normalement, c'est bleu à l'intérieur aussi, sans doute. Il y a des boules magiques. Vous connaissez les boules magiques? Ah oui. C'est bleu, donc une chacune. Et là, regardez. Un petit assortiment de bonbons, tous bleus. Il y a des crocodiles, il y a des petits nounours Haribo, il y a des balles de golf, comme ils appellent ça, mais bleus à la framboise. Il y a des petits lacets bleus, il y a des petits bonbons comme ça bleus, des dragibus bleus, des lapins crétins bleus, des schtroumpfs bleus, des dauphins bleus. Non, ça fait beaucoup, il y a une licorne bleue. Ça, c'est pour Athéna. Ça, c'est... Ah, attention, il y en a des fois souvent un de chaque, donc partagez aussi. C'est pas le goûter exemplaire, mais tout est bleu. C'est pas beau? Regardez, tout est bleu. Désolé, mais bon, en bleu, on n'a pas beaucoup le choix. Hein. Incroyable, j'adore, c'est tout est bleu. C'est pas une gratinée. Est-ce que c'est bon? Grosse malingue. Est-ce que c'est bon la balle de golf? À l'intérieur, c'est pas bleu. On peut la manger quand même. Bon, bah voilà, c'était le goûter bleu. Et ce soir, on va passer au dîner bleu. Ok. Ok. On va manger du bleu.
Regardez les amis, c'est un tour de magie. Ah oui, tu te dis sous la barbe, il y a un trou. Bon, vous l'avez promis, hein, c'est pas beau de tirer la langue, mais on va le faire parce que c'est bleu. Elle a trop en tirer la langue. 1, 2, 3. On se retrouve pour le dîner manger bleu. A tout à l'heure. J'attends Calice et Athéna pour faire le dîner manger bleu pendant 24 heures. Les filles. J'attends donc Calice et Athéna pour faire le dîner de ce challenge manger bleu pendant 24 heures. Les filles, vous êtes là? Bah j'ai une toilette, hein. Alors, Calice, qu'est-ce qu'on mange ce soir? De la purée. Mais c'est pas bleu la purée? Ouais, bah on va la fondre bleue. On va faire comme pour les pâtes? Oui. On met un petit coco, un petit lolo, un petit ranran, un petit colorant? Oui. Bon, ok. Allez, c'est parti. Okay. Et après, on va manger quoi avec? Un steak. Mais c'est pas bleu un steak, Calice. Un steak bleu. Un steak de schtroumpf? Non. Ah, la cuisson! Oh mais non, mais tu joues sur les mots! Il est bleu! J'aurais pu faire des cordons bleus. Alors, j'explique. Quand on cuit un steak, on peut l'avoir bien cuit, à point, saignant ou très bleu. Alors bleu, c'est l'aller-retour dans la poêle. C'est-à-dire que c'est plus que saignant encore. Ouais, c'est quasi cru. Mais bon! J'aurais pu prendre des cordons bleus. Ça compte. Oui, c'est vrai qu'on a pu prendre des cordons bleus. Bon, allez, ça compte, c'est parti. Mon kiwi. Bon, ben la voilà la purée, elle est prête, elle est belle. Alors, c'est toi, Athéna, qui mets le colorant. C'est parti. D'abord une. Est-ce que ça va marcher? On va se retrouver de la purée verte. En fait, c'est un 24 heures à manger bleu et vert, en fait. Ça marche, en tout cas. Hein, on se colore bien. Hein. C'est vert, par contre. Je crois que tu peux encore en mettre, Athéna. Waouh, c'est beau! C'est trop beau! Encore une. Pouf! Waouh, c'est beau! Bon, allez, on continue comme ça. Et puis, on se retrouve une fois qu'on aura également fait cuire les steaks de façon bleue. Alors, Athéna, tu vas te régaler. Et voici le steak bleu avec une purée qui est effectivement un petit peu plus verte que bleue. On n'est pas encore très bleu, mais on va se rattraper avec un iced tea, Athéna. Un iced tea bleu. Normalement. Ouais. Oui. Alors, est-ce que c'est bleu? Attention. Non. Non. Mais la vendeuse m'avait dit oui. Oh, mademoiselle, la vendeuse, elle m'avait dit oui. Elle m'avait dit, celui-là, il est bien bleu en plus. Oh non. Non, on n'a pas relevé le challenge. On reprend un Fanta bleu. Calice se met du colorant bleu dedans. Je suis pas sûr que ça marche. C'est beau. Ah, ça marche. On est dans du vert ce soir. Hein. À la pomme. Bon, allez, on va le compter. Bon, allez, on fait ça. Et puis on se retrouve pour le dessert. Le dessert sera vraiment bleu, c'est promis, juré. Voilà. Ah. Et je sais qu'il est bleu. Toi aussi, t'en veux? Oui, moi aussi, j'en veux avec du colorant, bien sûr. On mange bleu tous, hein. Enfin, un vert. Bleu-vert, quoi. À la pomme. Non, merci. Des Miranda pommes vertes. Alors, goûtez-moi ça, est-ce que c'est bon? Ah, Athéna adore. Athéna adore le iced tea. Un dessert bleu? Oui. Alors là, je vous avais promis qu'il serait bleu. Il est vraiment bleu. Il y a du bleu clair et du bleu foncé. Ce sont des... M&M's. Oui, des M&M's bleus, hein. Là, on peut pas faire plus bleu, quand même, hein. Non. Bon, en tout cas, j'espère que vous aimez cette vidéo, hein. On va maintenant faire le petit déjeuner dans la foulée. Mais laissez tout de suite, comme ce soir, un grand pouce vert. Ou bleu, bien sûr. On va y aller comme ils sont bons. Alors. Bon, bah, après manger, on va regarder un film. On va regarder Le Grand Bleu. Mais on se retrouve au petit-déj, ça vous dit? Ouais. On va mettre le lendemain. Le lendemain. 3, 2, 1. Le lendemain. Le lendemain. Le lendemain matin. Vous avez bien dormi les filles? Ouais. Ouais. Et on va à Miami, on est toujours dans ce 24h challenge manger bleu, mais il y a des céréales, mais vous avez vu, ce sont des Fruit Loops. Et qui dit Fruit Loops dit toutes les couleurs, donc comme hier avec les Smarties, il va falloir trier les bleus, simplement. J'espère qu'il y en aura assez pour avoir un petit déjeuner
Copieux. Allez, c'est parti, regarde. Déjà deux, c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a au moins une céréale chacune. Ah. Ah, mais il y en a plein, les bleus. Bon, bah, pour l'instant, il y en a pas mal, déjà. Il y a encore un ouvert que deux boîtes sur les plats. Très bonne récolte, hein. Et après, on va faire le lait qu'on va colorer en bleu, évidemment. C'est parti. Wow. Vas-y. Faire du lait bleu. Ok. C'est parti. Ah bah voilà, il y a vraiment ce qu'il faut, c'est cool. Ah, ça c'est très satisfaisant, je trouve, c'est trop beau. Du lait bleu, dans des Froot Loops bleus. Oh. On reconnaît les Froot Loops si vous ne connaissez pas, franchement c'est très bon. C'est assez sucré, mais ça régale. À table. Alors Athéna, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé. C'est bon, hein. Bon, bah bon appétit. Et on se retrouve là juste après pour la conclusion de ce 24 heures manger bleu. Ouais. Miam miam, c'est bon ça. Bon, bah voilà, c'est ainsi que se termine ce 24 heures challenge. Dites-nous si on a réussi ce 24 heures challenge manger bleu, deux fois vert. Donc mettez un pouce bleu ou un pouce vert. Donc, voilà. Comme vous voulez. On va dire qu'on a quand même réussi parce qu'on a essayé maximum de faire du bleu. Et bon, bah c'était rigolo. Ouais. Qui voulait qu'on en refasse, laissez également un petit pouce et puis on se retrouve très vite sur Studio Bubble Tea. Abonnez-vous aux trois chaînes et très vite et plein de bisous. Mouah. On vous aime et surtout n'oubliez pas. Soyez bien. Soyez bon. Et vivez vos rêves. Et mangez bleu. Et mangez bleu. Et vivez la vie en rose. En bleu. En bleu.